crise d'adolescence, quoi. Ça me rappelle mon adolescence. Donc voilà, je suis venu voir Roger Hudson, Super Tramp, toute une génération. Donc voilà, depuis l'âge de 15 ans, maintenant j'en ai 54, donc top. Et d'ailleurs, Straits aussi. Straits, ben, forcément. Way on down south, whoa, yeah. Way on down south, London South. Tu vois une programmation comme ça et que t'es fan de ça depuis que t'as 15 ans, c'est cool, c'est à Chinon, j'habite Tours, et hop. Donc c'est un rêve d'enfance un peu qui se réalise. Tu réalises de voir un mec que t'as toujours vu bah, soit à la télé, soit en vidéo, soit sur YouTube, et en fait le mec il est là. C'est top. Savoir qu'à cette époque-là, on avait 20 ans, on était à fond, quoi. Et puis sortir un son nouveau aussi, c'est ce qui nous a beaucoup plu à l'époque. Et c'est ce qui plaît toujours d'ailleurs, puisque ils sont très bien. En particulier qui vous a marqué de Roger Hudson et de Super Peut-être Dreamer parce que tout le monde connaît ça.